Bonjour à tous. Les 2023 viennent d'être mis en marché en primeur, comme c'est la coutume à Bordeaux. Dans notre cas, le rouge et le blanc. Alors 2023, c'est un millésime d'un grand classicisme. J'entends par là une maturité de fruits, comme on sait la faire à Bordeaux, c'est-à-dire un fruit frais et pas un fruit cuit. Et ensuite, un soyeux qui permet une allonge en bouche exceptionnelle. Sur les rouges, les 53% de Cabernet adossés aux 42% de Merlot, avec les 4% de Petit Verdot qu'on a mis cette année et tout de même un petit pourcent de Cabernet Franc, nous exprime tout cet équilibre qui est la réputation de Bordeaux. En blanc, c'est le même profil. On a une maturité de fruits sur nos Sauvignons blancs à 80% là dans l'assemblage. C'est de la poire blanche, de la pêche blanche. Le sémillon va apporter un milieu de bouche et une onctuosité et là, à nouveau, une allonge avec une petite touche de salinité qui rehausse la bouche et vous fait saliver. Un grand millésime et en plus cette année à un prix très doux.